La plane pour Anna Mouillet-Maillot aujourd'hui qui va s'essayer à une discipline de haut vol, non pas dans les airs, mais sur terre, avec le BMX Flatland. Objectif, faire des figures la plupart du temps sur une seule roue, en espérant ne pas se cracher. Bonjour Joris. Eh ben écoute, salut, ça va? Bon, on va pas faire du BMX avec ça, mais avec ça. Exactement. On a cette bête, voilà, qui est un petit peu particulière, comme tu peux voir. Il manque des trucs comme des freins, par exemple, ou des choses comme ça. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait pas de freins. Voilà. Mais il y a des choses en plus. On a des choses en plus, on a plein de choses en plus qui sont un peu particulières, mais ouais, voilà. On a un guidon qui tourne à 360, surtout. Ok, bon bah, en selle alors. Hop, allez, je suis paré. Montre-moi, Joris, comment ça marche. Alors, le BMX flat, c'est la seule discipline où on n'a pas besoin de casque, mais pour une première, c'est bien que tu l'aies, parce qu'on sait jamais. Mais comment ça marche? Alors en fait, le BMX flat, ça va être de faire des figures au sol, en s'aidant de la force centrifuge, etc. pour faire des figures. Un exemple, je prends mon vélo, je vais tourner, me servir de la force centrifuge pour tourner. Déjà, un classique qu'on voit que tous les gamins aimeraient savoir faire, c'est finalement tourner le guidon. Essaye de t'asseoir sur la selle, ouais. Donc tu vois, parce que tu mesures, je pense que tu es aussi grand que moi, donc tu vas voir que c'est pas évident. Elle est pas très confortable cette selle. Ah non, elle est pas faite pour s'asseoir. Ah oui, d'accord. Déjà, apprends à pédaler. T'as pas besoin d'aller vite. Ouais, c'est dur. Oui, je sais. Alors, pédale debout. Prends l'élan debout, parce que sinon, tu n'y arriveras pas. C'est plus dur quand on en a l'air à ces petits vélos. Voilà. Voilà. Wow. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bas. Wow. Ah, c'est... Oh, oui. Oui. Oh. Oui. Oh oui. Oui. Oui, pas mal. C'est pas mal. Figure suivante. Allez. Mais on va essayer déjà de mettre trois coups sur le pneu. C'est-à-dire 1, 2, 3. Si déjà t'arrives à faire ça, c'est déjà beau. Oui, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Oui, ben voilà. Oui, c'est bien. Ouais, mais hésite pas à mettre un gros coup. Ouais, 1, 2, allez, encore. Allez, la roue, elle roule pas, je trouve. Ah, mais... Fallait la huiler ce matin. Et puis ton vélo, il bouge pas, là. C'est... Oui, parfait. Allez, 3. Bien joué. Je check. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Elle est pas mal, ça vient, ça vient. C'est bien, je pense que bien. J'aurai des heures d'entraînement. Tous les jours, j'arriverai à la maîtriser. Mais bien sûr, hein, bien sûr. Tu veux que je te montre 2-3 trucs ouais. Pour que tu vois ce que c'est un petit et peu. Et je repasse dans 2 ans pour... Il n'y a pas de souci. Okay. Écoute, voilà, n'oublie pas ma proposition. On a une place en équipe de France, donc n'hésite pas si tu veux venir. J'y réfléchis. J'y réfléchis. Ouais. Allez. Ceux qui veulent voir du gros spectacle, c'est l'Urban Ride, ça sera ici à Saint-Yon les 16 et 17 avril, c'est ça? Exactement, 16 et 17 avril, on fait une compétition. Alors en gros, c'est quoi? C'est 60 riders, c'est 15 nationalités qui viennent du monde entier et c'est entrée gratuite et c'est ouvert pour tout le monde. Donc faut pas hésiter si on veut voir ça de près. Bon, ça sera du gros spectacle et je vous rassure, je serai pas sur la machine, donc ça va envoyer du lourd. Bon bah Joris, merci, je sais pas si j'ai le maillot jaune, mais j'ai donné tout ce que j'ai pu. Hein. Mais t'as bien assuré, pas chier. Ah, faut pas dire ça.